nombreux champignons ont un aspect variable et sont de ce fait difficiles à déterminer. Il faut donc observer avec soin chacun des détails d'un exemplaire pour l'identifier de façon précise. L'Amanita mouche, Amanita muscaria, est présente d'août à novembre sous les conifères et les feuillus. Si la pluie a fait disparaître les flocons blancs, le stipanlé et la chair jaune citron sous la cuticule permettent de distinguer les Amanita mouche des russules rouges. Ni le retrait de la cuticule, ni la cuisson ne font disparaître les toxines de cette espèce, qui n'est toutefois pas mortelle. Le lactaire délicieux, Lactarius deliciosus, ne m'a jamais déçu. Il est présent d'août à début novembre en forêt de conifères. C'est un excellent comestible, mais qui ne doit pas être consommé cru. Sa chair, blanche à rouge orangée, est fragile. Elle vire au verdâtre, à la blessure, au bout de plusieurs heures. Son lait, rouge carotte, a une odeur fruitée. Le lactaire délicieux se caractérise par ses fossettes foncées sur le stipe. Son chapeau est marqué de cercles concentriques un peu plus foncés. La cueillette sera transportée de préférence dans un panier. Les sacs plastiques abîment très vite les champignons. Le cep de Bordeaux, ou Boletus edulis, est abondant par endroits sous les conifères, sous les épicéas et les pins. Il apparaît souvent dès juin et est présent jusqu'à l'automne. Le tiers supérieur de son pied présente un réseau blanchâtre. Les tubes sont blancs à jaunes, vert olive chez les vieux exemplaires. La coulmelle, Lepiote élevée, Macrolepiota procera, est présente de juillet à octobre dans les forêts claires, surtout sous feuillus et en lisière. La coulmelle fait partie des comestibles les meilleurs et les plus aromatiques. Si vous venez les manger chez moi, vous la mangerez panée et grillée. Mais il ne faut pas la consommer crue, sous peine de troubles digestifs. Sa chair blanchâtre est molle à friable. Son pied peut atteindre jusqu'à 40 cm de hauteur, et est pourvu d'un anneau coulissant. La nonnette voilée, Suilus luteus, se distingue des autres champignons poussant sous les pins, aussi bien par sa cuticule brun foncé visqueuse que par son remarquable anneau membraneux. Sa chair, jaune blanchâtre, est immuable à la coupe. Il est présent d'août à novembre seulement sous les pins. Les exemplaires jeunes passent depuis toujours pour d'excellents comestibles, mais les vieux exemplaires sont très mous. Retirez la cuticule avant utilisation.